Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on retourne à un endroit où je suis déjà venu. J'avais fait des repérages il y a quelques semaines, j'étais venu la semaine dernière pour faire des photographies de paysage, et donc cette semaine je reviens pour faire des photographies animalières. C'est parti. J'ai vraiment de la chance ce matin, il y a une légère brume là sur l'étang. Donc vous entendez de temps en temps encore une fois les bernarches derrière moi là qui font du bruit. Et donc on s'est mis là en position. Là je me suis mis vraiment au bord de l'étang. Je suis pas très loin d'où j'étais la dernière fois pour les photos de paysage. Je suis juste en face de l'île. Donc il y a des bernarches qui passent là sur l'étang. Il y a un ragondin là-bas qui est en train de sauter dans l'eau. Ils sont en train de se rendre sur l'île qui est en face. Il y en a un deuxième là qui est en train de suivre. Donc oui, voilà. Beaucoup d'animaux là autour de cet arbre, donc on est là aujourd'hui pour ça, on va faire des photos animalières. Le soleil n'est pas encore levé, donc il y a la brume là qui se densifie un petit peu, donc je me suis mis en face du soleil finalement pour dans un premier temps, avec l'objectif large, essayer de faire plutôt des contre-jours des animaux avec le soleil qui se lève, et puis petit à petit on va essayer de faire des gros plans. Donc voilà, depuis le temps que je me suis posé, il commence à s'adapter, vous voyez. Il se rapproche de plus en plus, probablement la curiosité. Donc c'est intéressant, donc on devrait normalement pouvoir faire des photos intéressantes ce matin. Allez, c'est parti. Voilà, au niveau du matériel, bah, c'est exactement la même configuration que celle que j'utilisais pour les chevreuils. Bon, j'ai pas sorti le filet de camouflage, comme vous avez vu tout à l'heure, les animaux n'ont pas vraiment l'air perturbés par ma présence. Je pense qu'ici, il doit y avoir beaucoup de pêcheurs, de promeneurs qui viennent, donc ils ont l'habitude de voir du monde. Donc du coup, il n'y a pas vraiment besoin de se camoufler plus que ça. Bon, je me suis mis là au pied de l'arbre, comme ça, je me confonds un peu, je dirais, dans le paysage environnant. Mais voilà, donc pas de camouflage particulier. Donc j'ai monté ici sur mon D810, j'ai monté le doubleur avec le 300 mm, je suis monté sur la tête amovible. Donc j'avais eu des questions sur une vidéo précédente à propos de l'utilisation du trépied et puis justement du pied pour la photo animalière. Donc justement, en fait, dans ce genre de photo, quand on est avec des animaux qui sont relativement stables, finalement ils sont en train de flotter sur l'eau, quelquefois certains s'envolent. Mais voilà, on n'est pas sur des vols rapides, sur des animaux qui bougent rapidement. Bon, problème de carte pleine, donc du coup je suis obligé d'enregistrer la fin sur l'ordinateur. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand les oiseaux sont relativement paisibles, comme c'est le cas ici, le gimbal c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'être stable et puis ben, on arrive à suivre correctement les oiseaux sans aucun souci. En revanche, quand on a des oiseaux en vol, c'est beaucoup plus difficile, et donc cette fois-ci je n'utilise pas du tout la tête mobile et je fais toutes mes photos à main levée pour pouvoir suivre correctement les oiseaux. Maintenant on reprend le cours de la vidéo, et excusez-moi encore pour ce problème technique. Allez, on continue. Donc voilà, le soleil commence à être bien haut dans le ciel, donc là je suis vraiment à fort contre-jour. Donc j'ai fait à peu près les photos que j'espérais faire dans ces conditions-là. Donc là maintenant je vais tourner un peu autour de la mare. Donc je pense que je vais plutôt aller me poster de l'autre côté. Et puis bah, on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme autre photo. Donc là on a déjà vu pas mal de choses.
les aigrettes, qui étaient, enfin une aigrette qui était perchée dans l'arbre là tout à l'heure, le cormoran, des foulques, les bernarches, et puis donc les ragondins là, qui ont traversé tout à l'heure. Donc ça fait déjà, déjà pas mal de choses. Donc une bonne matinée, donc on va continuer encore un peu là pour continuer à regarder comment tout ça se réveille, comment tout ça s'active avec le soleil qui arrive et donc la chaleur qui va monter. Allez, on continue. Alors, j'ai changé ma position. Et le soleil, en fait, vient de passer derrière les nuages. Et du coup, ça s'est calmé. Alors, il y a l'aigrette qui est arrivée là-haut dans l'arbre. Elle était sur le bord. J'étais caché par des branchages, donc j'ai pas pu la photographier. Elle était vraiment dans l'eau. Là, elle est repartie sur l'arbre. Mais j'ai même eu l'impression qu'il y en avait une deuxième avec elle. Je suis en train de la chercher. Mais je la vois pas. Je pense qu'elle a dû se percher aussi quelque part. Mais elles sont vraiment magnifiques. Hein. Genre tout à l'heure avec le soleil, ça donnait vraiment bien. Là c'est un petit peu plus triste, là tout le brouillard est parti d'un seul coup, le soleil est caché, il y a même un vent frais là qui se lève. C'est pas super agréable, je vous avouerai là pour l'instant, mais bon, on va rester en position. Les bernarches se sont stabilisées, on ne les entend même plus. Ah bah voilà, il suffisait que j'en parle. Mais voilà, ouais, c'est assez impressionnant comment d'un seul coup, quand le soleil est passé derrière les nuages, finalement, tout l'étang s'est calmé et plus un bruit. Donc je vais rester là, j'ai la petite le foulque là qui est passé tout à l'heure. Il est parti de l'autre côté, je vois qu'il revient, on va attendre un peu ici, là je suis pas mal. On va voir si ça s'active un peu plus et puis si ça revient vers moi. Allez, on continue. Le cormoran est revenu sur son arbre, il vient de chasser les grettes. C'est ma branche, poussez-vous. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est aussi intéressant de montrer l'animal différemment dans son environnement, de jouer avec les lumières, comme ici avec les contre-jours, pour finalement faire de la photo animalière. Il n'y a pas que le gros plan, il n'y a pas que l'action, même si c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'action sur les photos, mais comme on l'a vu, dès que le soleil s'est caché derrière les nuages, ça a été fini et puis l'étang s'est relativement calmé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette sortie comme j'ai pu l'apprécier. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas, un petit pouce en l'air comme d'habitude, partagez la vidéo, laissez-moi vos commentaires. Et puis je vais vous souhaiter à tous donc un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.